Le président a bien rebonjour, monsieur le témoin. Je tiens juste à vous dire que si vous avez du mal à être debout, à vous lever, vous pouvez bien sûr rester assis. Ce n'est pas un problème. So, I now give again the floor. Je vais maintenant donner la parole à nouveau au bureau du procureur qui va poursuivre son interrogatoire. Mais je tiens juste à dire à monsieur le témoin qu'aujourd'hui nous allons travailler encore 1h30. Nous en aurons terminé pour aujourd'hui et nous reprendrons avec le même programme demain. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, monsieur le président, dit monsieur Demedjian. Monsieur Guessant. Alors, nous nous sommes quittés avant la pause sur votre retour à Abidjan après les accords de l'INAS Marcoussi. Vous avez parlé d'un rassemblement à la place de la République. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous disiez que c'était un rassemblement important, qui a organisé ce rassemblement? Ce sont ceux qui se sont qualifiés un peu plus tard les patriotes. Et qui était à la tête des organisateurs? Ils étaient nombreux, puisque il y avait M. Charles Blégoudé, il y avait M. Dieu et Jeanne. Ils étaient un certain nombre, puisque, à ma connaissance, ce n'était pas quelque chose de pyramidal, mais c'est plutôt en grappe. Il y avait plusieurs groupements, et ce sont eux qui se sont réunis ce jour-là. Durant ce rassemblement, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes se sont rassemblées à la place de la République? Selon les organisateurs, on a parlé de près de 1 200 000 personnes. Mais quand on regarde cette place, je ne crois pas que cela ait pu réunir plus de 600 000. Ceci étant dit, c'était l'une des rares fois où on avait en Côte d'Ivoire un rassemblement aussi important. Et quel a été l'impact de ce rassemblement, M. Nguissan? Excusez-moi. Oui, excusez-moi, confrère. Monsieur le Président, généralement, ce genre de questions impact, ça nous ramène toujours, depuis le début de l'audience, à ce que le témoin donne son opinion. Et donc, je pense qu'on aurait pu un peu. C'est pas depuis le début de l'audience, je tiens à le dire. Mais j'ai demandé à monsieur le substitut procureur de reformuler, parce que je ne veux pas qu'en effet que le témoin parle d'opinion, mais uniquement de faits. Thank you, Mr. President. Monsieur Demedjian, merci, Monsieur le Président. Monsieur Nguessan, que s'est-il dit durant ce rassemblement? Ce rassemblement a montré qu'il y avait une hostilité particulière vis-à-vis de tous ceux qui étaient signataires de l'accord de Marcoussi. Mais cela aussi a mis l'accent sur le fait que la France était mise au banc des accusés. D'accord. J'aimerais vous montrer quelques images à ce stade-ci. Et si on pourrait utiliser le vidéo CIV OTP 0009 0342. C'est le numéro 54 sur notre liste. Donc la frange que nous allons montrer débute à 36 minutes et 54 secondes.
Est-ce que les interprètes ont une copie du transcript de celle-ci? Oui, parfait, merci beaucoup. Trente-six minutes, 54 secondes. In February, the women protest against the Marcoussis agreement in front. En février, les femmes ont protesté contre l'accord de Marcoussis devant l'ambassade de France. Aujourd'hui, nous savons exactement qui sont nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas les Français qui vivent en Côte d'Ivoire, avec qui nous vivons en bonne intelligence. Today we know exactly who our enemies are. Our enemies are not the French people with whom we live together in peace and harmony. Our enemy is the French government led by Jacques Chirac and de Villepin. They are the ones who support the rebels. We think that they are aware of all things that has happening because since the beginning of the crisis, Ivorian has never stopped saying that France was with the rebels. Today, with the Marcoussis agreement, a betrayal confirmed by the Kleber Avenue Accord, we know that French authorities support the rebels. The reasons are multiple. Merci, j'arrête la vidéo à ce stade-ci. Monsieur Nguessan, je comprends que. Il y a eu un interprète qui a parlé en anglais par-dessus. Vous n'avez pas vraiment capté en français. Vous avez compris, j'ai compris la teneur. D'accord. Alors, tout d'abord, si j'ai bien compris, là, on avait des images du 3 février 2003. Donc, ce n'était pas la place de la République. C'est pas la place. Ce sont les réactions à Linas Marcoussis. Est-ce bien ça? Non, c'est bien ça. D'accord. You shouldn't speak when the... Le président ne... Ne parlez pas lorsque M. le procureur parle, et même chose pour vous, M. Demedjian. Demedjian, oui, c'est moi le coupable, je l'avoue. Très bien. Est-ce que vous avez reconnu des intervenants sur cette image, sur ces images, M. Nguessan? La première personne que j'ai reconnue, c'est Mme Broglebe. Et pouvez-vous nous dire quel était son rôle ou sa fonction à l'époque? Je sais qu'elle animait activement les partisans féminins du groupement qui était contre l'application de l'accord de Linas Marcoussis. Et si vous vous rappelez, à un moment donné, on peut y revenir, il y avait une pancarte qui disait « Honte à la France pour avoir légitimé ». Une rébellion armée. Vous vous souvenez d'avoir vu cette pancarte? Oui, j'ai vu cette pancarte. D'accord. Mais il faut dire que ce film, je ne l'ai pas dans ma vidéothèque. À l'époque, est-ce que... Bon, vous nous avez un petit peu expliqué la situation. Pourquoi est-ce que la France était visée? Tout d'abord, si mes souvenirs sont exacts une fois de plus... Disons que c'est en France que s'est tenu l'accord de Linas Marcoussis
Et c'est en France aussi que la décision à Kléber de mise en œuvre des différents points de l'accord de Marcoussi a été prise. Au lendemain de l'accord de Kléber, ce qu'on avait rebaptisé Force Nouvelle, du moins l'ex-rébellion, ont revendiqué publiquement avoir obtenu les portefeuilles de la défense et de la sécurité. À partir de cet instant, tous les patriotes estimaient que c'était une grande trahison parce qu'on ne pouvait pas confier ces portefeuilles-là à ceux qui ont attaqué la mère patrie. C'est de là qu'est partie la principale animosité entre les patriotes et tout ce qui était français. Elle a dit, Madame Broglebé a dit qu'il n'était pas contre les Français qui vivaient en bonne intelligence avec les Ivoiriens. Mais par contre, pour eux, leur groupement, il était question de constater maintenant que l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'était la France. Ça a été leur diagnostic. Et c'est pour cela que vous avez vu ce type de pancarte. Tout à l'heure, vous nous avez dit que Mme Broglebé animait activement les partisans féminins du mouvement qui était contre l'application de l'accord. Est-ce que ce mouvement était associé avec un parti quelconque? Non. Il n'était pas associé à un parti. Et est-ce que Mme Broglebé appartenait à un parti politique à l'époque? Originellement, nous avons connu cette dame comme étant une militante active du PDCI-RDA. Donc, nous avons vu à l'instant un rassemblement et des images qui montraient les réactions à cet accord. Est-ce qu'il y avait d'autres rassemblements de ce genre au préalable, donc avant l'accord de Linas Marcoussi? Avant l'accord de Linas Marcoussi, ce n'était pas des rassemblements, mais c'était plutôt des appels à la résistance lancés par les patriotes. Résistance par rapport à la rébellion. Il n'y avait pas ce type de rassemblement. Cependant, on peut noter que pendant que nous étions à Linas Marcoussi, il y a eu une consolidation et une convergence d'action de tous ces groupements pour s'opposer à l'application effective des décisions qui ont été prises à Marcoussi. Lorsque vous dites qu'il y avait des appels à la résistance lancés par les patriotes, comment ces appels étaient manifestés? C'est des appels à non seulement faire barrage à l'avancée de la rébellion, c'est dans un premier temps, mais après Marcoussi, c'était des appels pour faire barrage à l'application effective de l'accord de Linas Marcoussi. Oui, alors, Monsieur Nguessan, la question était comment est-ce que ces appels se sont manifestés? C'était des appels à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. Avant la pause, si vous vous rappelez, je vous avais
poser une question, à savoir quelle était la réaction de la jeunesse à la tentative de coup d'État. Et c'était à la page 41 ce matin pour mes confrères. Vous nous avez dit que les jeunes se sont organisés pour dire non à la rébellion. Oui. Qui était à la tête de ces groupes? Je me souviens vous avoir dit que dans un premier temps, il n'y avait pas un leader. C'est par la suite qu'ils ont fédéré leur énergie pour pouvoir avoir ce qu'on a appelé les jeunes patriotes. Sinon, originellement, c'était plusieurs personnes, plusieurs jeunes gens qui ont accepté de lutter contre la rébellion. Donc, pardonnez-moi. Oui. Si vous vous rappelez aussi avant la pause, je vous avais posé une question par rapport aux ressortissants français. Et à l'époque, on était en train de parler de la tentative de coup d'État. Vous m'avez dit que les effets, on les a vus plus tard. J'aimerais vous montrer un bref une vidéo. Ce sera le CIV OTP 0052-0770. C'est le numéro 135 sur notre liste. Nous allons montrer ça à partir de 6 minutes et 50 secondes. Pour les interprètes, la note sténographique est le CIV OTP 0054-0449. Depuis le début de l'opération Licorne en septembre 2002, les violences anti-françaises ont jalonné cette période d'incidents. Dès octobre 2002, Laurent Gbagbo évoquait la montée d'un sentiment anti-français et quelques semaines plus tard avaient lieu les premiers affrontements. Stéphane Breitner. Si le français s'amuse, si la Côte d'Ivoire est menacée, si la guerre est généralisée, à chaque Ivoirien. Le message est clair et il fait froid dans le dos. En ce début janvier 2003, les partisans du président Gbagbo ne veulent plus de Français sur leur sol, civil ou militaire. À Abidjan, les manifestations dégénèrent à chaque fois en quasi-émeute. Devant l'ambassade de France, d'abord. Puis quelques jours plus tard, une centaine de militants surexcités tentent d'entrer en force dans la base militaire. C'en est trop. La France conseille alors à ses ressortissants de quitter le pays au plus vite. Fin janvier, 3000 personnes font leurs valises, encadrées par les militaires jusqu'à l'aéroport. Un départ que les partisans du président saluent à leur manière. Monsieur Nguessan, est-ce que cela reflète... Président, laissez la cabine anglaise terminer. Très bien. J'attendais que l'interprétation nous rattrape. Donc, est-ce que ce que nous avons vu, les images, reflètent bien la situation à l'époque en janvier 2003? Je ne peux rien en dire tout simplement parce que après la conférence de l'INAS Marcoussi, je vous ai dit tantôt que nous avons été obligés de passer quelques moments en France.
Et c'est en notre absence que tous ces phénomènes-là, ambassade de France, 43e Bima, se sont déroulés. Et par la suite, à votre retour à Abidjan, est-ce que vous avez été mis au fait de ces événements? Non. Je dois vous dire que personnellement, j'ai essayé de compulser le maximum des vidéos et d'événements, mais ceux-là, je ne les ai jamais eus. Et de manière générale, la réaction à la France, ça, c'est quelque chose que vous étiez familier? Ah oui. Yes. Oui. Je suis obligé d'objecter parce que ça fait 30 minutes qu'on pose la même question au témoin et il répond. Maintenant, on lui demande d'interpréter, de donner son opinion sur une réaction. Il dit qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était quelque part ailleurs, il était bloqué là-bas. Il n'a même pas cette vidéo dans sa vidéothèque. Je pense que le témoin a été assez clair. Maintenant, on lui dit de commenter une réaction que des gens auraient eue. Mais on n'est pas là pour ça, monsieur le président. I agree with you. J'en conviens. Et j'aimerais bien qu'on avance. On est encore en 2003, après des heures. Enfin, allez-y. Monsieur le témoin, oui. Juste avant la pause, j'ai juste besoin d'une petite clarification. Vous avez parlé d'un individu, un comédien H. Est-ce que vous avez son nom complet, s'il vous plaît? Je crois savoir qu'il s'agit de monsieur Camara Diréfé. Merci. Nous avons discuté tout à l'heure aussi de certains incidents dans l'Ouest. Et vous nous aviez dit, c'est à la page 46 des notes, que ceux qui avaient été visés étaient des personnes malinquées à Daloa. D'accord? Est-ce qu'un incident similaire a eu lieu à Monoko Zoï? J'ai lu dans les différents rapports de la commission d'enquête de l'ONU, effectivement, qu'il y a eu des incidents à Monoko Zoï. Mais je n'en ai pas parlé, tout simplement parce que, contrairement à Daloa et à Boaké, on n'a pas la liste exhaustive des personnes concernées. Est-ce que vous avez reçu de l'information à savoir qui étaient les victimes? Je vous dis que non, puisque je n'ai pas la liste. Ce dont j'ai pu parler, c'est avec une liste précise de personnes de sexe masculin ou bien de sexe féminin avec leur nom et leur ethnie de base. Ça, j'ai cette liste dans ma documentation. Mais concernant Monoko Zoï, je ne me souviens pas avoir été en possession de cette liste. Est-ce que vous êtes familier avec un événement à Mans en décembre 2002? Non. Vous ne vous rappelez pas de Mans? Non. Your Honors, as... Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, le témoin ne se rappelant pas de cela, j'aimerais bien lui rafraîchir la mémoire avec sa déclaration. Maître Chef, vous savez ce que je vais dire? Le président, enfin j'imagine, j'ai une bonne idée de ce que vous allez dire, mais allez-y. Maître Chef, je pense que vous avez déjà pris votre décision, mais j'aimerais bien présenter mes arguments. Donc, nous avons une difficulté ici. J'aimerais bien que le témoin puisse sortir, s'il vous plaît, pendant que je parle de cela. Le président
Monsieur l'huissier, veuillez s'il vous plaît escorter le témoin hors du prétoire pour un bref instant. Maître de médiation, moi qu'on en parle en anglais. Le président, je ne sais pas s'il parle anglais ou pas, ou s'il comprend un peu l'anglais. Monsieur de médiation pourrait lui demander. Le président, dont il part. Monsieur Hochet. Président, Maître Hochet, allez-y. Maître Hochet, oui, merci. Donc, mon éminent confrère fait référence au paragraphe 47 d'une déclaration et à des incidents qui auraient lieu en octobre, novembre et décembre de 2002. Dans la déclaration, je pense que ce qu'il essaie d'obtenir du témoin, c'est que des massacres ont été commis par les forces gouvernementales de Gbagbo, de Laurent Gbagbo. Ben nous, on en est encore à décembre 2002. Donc, en principe, ce type de crime qui aurait eu lieu, tout d'abord, premièrement, ne font pas partie de la période de référence temporelle concernant les charges. En plus, elles sont très éloignées des charges, en tout cas en ce qui concerne le cadre temporel. Cela dit, évidemment, ils sont censés être incriminants. Donc, à notre avis, nous considérons qu'il n'y a pas assez de pertinence. Il n'est pas possible de faire référence à des crimes qui auraient été commis par des forces gouvernementales pro-Gbagbo en novembre ou décembre 2002. C'est trop antérieur au cadre temporel de référence. Or, pourtant, cela pourrait vraiment porter préjudice à notre cause. En effet, notre client est accusé de crimes qui auraient été commis en 2010-2011. Alors, je sais que l'accusation veut prouver l'existence d'un plan commun. Alors, la planification, c'est une chose. Mais faire référence à des crimes qui auraient éventuellement été commis et auraient éventuellement été commis par le gouvernement de Côte d'Ivoire 8 ans plus tôt, à mon avis, il faut pouvoir établir un lien extrêmement fort entre les crimes dont mon client est accusé et les crimes dont M. Méjean veut faire parler le témoin pour que l'on puisse admettre ce document. Le président, la défense de M. Blégoudé, avez-vous quelque chose à dire? Non, M. Demedjian. Le procureur, Monsieur le Président, je reviens à un commentaire que vous avez fait précédemment. Nous sommes toujours en 2003. Il s'agit là, en l'occurrence, de l'un de nos témoins qui vous donnera, à vous de la Chambre, son point de vue sur le plan commun qui a commencé à partir de 2002. Tous les témoins que vous entendrez après cela parleront strictement de violences post-électorales de 2010-2011. Nous faisons valoir effectivement qu'il existe un plan commun. Et pour que vous compreniez ce plan commun, vous ne pouvez pas faire abstraction de l'influence du groupe et de la création de la fondation des groupes qui a commencé bien avant le conflit. Deuxièmement, les éléments de preuve que nous sollicitons auprès du témoin, s'agissant des crimes commis en 2002, s'inscrivent dans un cadre systématique. Ce qui est tout à fait concevable dans la jurisprudence de cette Cour et ailleurs. Par conséquent, ils sont pertinents au regard des charges retenues. Évidemment, j'essaierai d'être aussi bref que possible, mais je dois vous dire que c'est la seule occasion que nous avons d'entendre ce genre de témoignage, parce que nous n'avons pas l'intention d'appeler à la barre un historien, un expert, c'est le seul témoin qui est à même d'en parler. Voilà, j'en dirai pas plus. Maître Hochet, pourrais-je juste ajouter le président? Non. Je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire, et c'était là une réplique. Nous allons rendre notre décision maintenant. Maître Hochet, puis-je simplement apporter une précision? Il ne s'agit pas simplement du cadre temporel, il s'agit aussi de ce que le témoin est en mesure de parler en tant que témoin. Et d'après sa propre déposition, ce n'est pas un témoin direct de ces événements. Et c'est peut-être beaucoup plus important que le cadre temporel.
Le président, je pense que vous vous livrez à des conjectures pour le moment. Nous allons entendre la réponse du témoin et nous saurons ce qu'il a à dire sur ce sujet. Et nous apprécierons en conséquence, à la lumière de ce qu'il nous dira, s'agissant de ses connaissances. Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît. En tout état de cause, ce genre de questions sont très pertinentes pour comprendre le contexte global du procès. Sans cela, on n'aurait pas autorisé les uns les autres à poser des questions. Nous ne pouvons pas aller aussi loin que cela, parce que sinon nous risquons de... Enfin, il y a bien des questions qui n'auraient pas dû être autorisées, mais là, c'était des questions qui n'étaient pas directement liées. Allez-y. Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Je vous prie de nous excuser pour cette courte interruption. Je redonne la parole au procureur. Thank you, Mr. President. Monsieur Demirjian, je vous remercie, monsieur le président. Monsieur Nguessan, ce que j'aimerais faire, c'est vous lire un extrait de votre déclaration de 2015 et peut-être que vous pouvez clarifier la situation pour nous. Ok. Alors, dans ce paragraphe, qui est le paragraphe 47 de votre déclaration de 2015, vous nous dites la chose suivante. De l'autre côté, en octobre, novembre et décembre 2002, des populations civiles ont été massacrées par les forces gouvernementales de Laurent Gbagbo, surtout à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a des massacres des civils d'abord à Daloa en octobre 2002, puis à Monokozoï en novembre 2002. Et à Slowly. Le président, ralentissez. En décembre 2002, les victimes étaient des civils d'origine burkinabé et nordiste qui habitaient dans ces régions. Ils étaient massacrés parce qu'ils étaient considérés, de par leurs origines nordiques et leur ethnie, comme soutenant la rébellion. Alors, tout d'abord, la raison pourquoi j'ai lu ce paragraphe, c'était parce qu'il y avait... Le président, ralentissez. Une référence à un massacre à Mans. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le contexte de comment est-ce que vous avez appris de ces situations? Bon, je voudrais rectifier quelque chose. Tout ce que j'ai pu vous dire s'appuie sur des écrits réels. Et si je ne m'abuse, ce que vous venez de lire est contenu dans les annexes de l'ouvrage que j'ai eu à écrire, des annexes qui sont les documents produits par les commissions mises en œuvre par l'ONU pour enquêter sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est déjà la source de ces informations. Mais vous verrez que je mets particulièrement l'accent sur Daloa et Bouaké, parce que dans mon document, j'ai une liste exhaustive de personnes qui ont été assassinées avec leur ethnie. Très bien, je vous remercie de cette clarification. toujours dans l'Ouest, M. Nguessan, et suite à la tentative de coup d'État du 18-19 septembre, est-ce que certains groupes se sont formés en réaction? Oui. Il y a eu, selon les résultats de la commission d'enquête mise en place par l'ONU, des groupes comme le FLGO et l'APOI, qui sont les deux dont j'ai eu connaissance à la lecture du rapport de l'ONU. Est-ce que vous avez appris, premièrement, qui était à la tête du FLGO? C'est un certain Mawao Glofier, si la prononciation est bonne.
Et savez-vous qui était ce maoglophier? Non. Je ne le connais pas. Est-ce que... vous avez répondu à cette question. Est-ce que vous savez si ces groupes avaient un appui? Je ne saurais vous le dire et je ne peux que vous demander de vous référer essentiellement au rapport de la commission d'enquête commis par l'ONU sur ces événements, puisque ce ne sont pas des événements qui se sont déroulés sous nos yeux à Abidjan. Et dernière question, est-ce que ces groupes, à votre connaissance, avec l'information que vous avez reçue, étaient-ils armés? Ces groupes étaient armés. Il y a même des images dans le rapport où on les voit armés, des populations civiles armées. Très bien. Alors maintenant, nous sommes dans l'après-Marcoussi. Vous nous avez expliqué que vous avez participé aussi à d'autres conférences. Je crois que vous avez participé à Accra 2, est-ce exact? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, pouvez-vous encore nous expliquer dans quel contexte est-ce que vous avez participé à Accra 2? Bien. Je vous avais dit tantôt que, au lendemain de Kléber, les forces nouvelles ont affirmé avoir obtenu les portefeuilles de la défense et de la sécurité. Ce qui n'a pas plu aux défenseurs de l'intégrité du territoire au niveau d'Abidjan. Quand après un certain temps, nous sommes rentrés à Abidjan, les quatre partis politiques que sont le PDCI, le RDR, le MFA et, excusez-moi l'autre, l'UDPCI, en association avec les trois mouvements politiques, nous avons créé ce qu'on a appelé le G7. Il faut dire que, à l'origine, l'idée de la création de ce mouvement, c'était de mettre en place une plateforme pour l'application effective des résolutions de Marcoussi. Le PIT, le FPI et l'UDCI ont refusé de participer à cette plateforme. C'est pour cela que nous sommes restés 7. Notre désir était de suivre au quotidien, du moins périodiquement, la mise en œuvre de ce que nous avons décidé d'un commun accord à Marcoussi. Dès notre arrivée à Abidjan, les premiers blocages vont apparaître. D'abord, blocage dans le choix des ministres. Je vous fais remarquer qu'à Kléber, il a été question de faire le partage du pouvoir en intégrant dans le gouvernement l'ensemble de tous ceux qui ont participé à l'accord de Marcoussi. Donc, blocage. Face à ce blocage, nous avons été obligés d'aller à Accra. C'est ce que nous avons appelé Accra 2. Étant entendu que Accra 1, c'était la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Donc c'est à Accra 2 que nous avons pu trouver la solution pour former enfin un gouvernement d'Union nationale. Ça, c'est Accra 2, la justification d'Accra 2.
nous avez dit qu'il y avait eu donc blocage. Quelle était la source de ce blocage, Monsieur Nguessan? Le blocage essentiel venait du fait que le camp, du moins le parti du président Laurent Gbagbo, et certainement en accord avec lui, refusait que les portefeuilles de la sécurité et de la défense soient attribués à ceux qu'on a qualifiés à cette période d'assaillants. Vous nous avez aussi dit qu'à Accra 2, vous avez trouvé la solution pour former enfin un gouvernement d'union nationale. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que la solution était la création de ce G7 ou était-ce autre chose? Alors allez-y, quelle était la solution? Le G7 était antérieur à Accra 2. Je vous l'ai dit, le G7, c'était pour nous un moyen de contrôler l'exécution effective de ce que nous avons décidé à l'INAS Marcoussi. Entre autres points de blocage, il y avait la clause qui demandait à ce que les pouvoirs exécutifs soient cédés au premier ministre de consensus, de telle sorte qu'il puisse mettre en œuvre tout ce que nous avons décidé à Marcoussi. Et cette clause de cession de pouvoir n'a pas été exécutée. Alors, quelle a été la solution que vous avez trouvée pour former le gouvernement? C'était une clé de répartition en fonction de la clé de représentativité autour de la table de l'INAS Marcoussi. Des partis politiques qui n'avaient que deux représentants à l'INAS Marcoussi se sont vus attribuer un portefeuille ministériel. Les autres en ont eu 4, 5, voire même parfois 6, 7. Mais comme le dit, le stipule l'accord de l'INAS Marcoussi, c'était plutôt un gouvernement qui respectait l'équité et l'équilibre compte tenu du poids réel de ces formations politiques sur le terrain. Très bien. Monsieur Nguessan, je passe à un autre sujet. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez fait usage de plusieurs rapports des commissions d'enquête des Nations Unies sur les violations graves en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, est-ce que vous étiez familier avec le rapport du haut commissaire adjoint aux droits de l'homme, M. Bertrand Ramcharan, en janvier 2003? Non, je ne le connaissais pas. Ok. Est-ce que vous avez vu une copie de ce rapport? Je ne crois pas l'avoir eu en main. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être alors, avec quelle commission d'enquête est-ce que vous étiez familier à l'époque? Au début de cette session, je vous avais dit que ma qualité de ministre des droits de l'homme m'a permis d'avoir de la documentation en vue de me guider sur la compréhension de l'évolution au titre des droits de l'homme de notre crise. Et ce sont ces documents que j'ai eus bien plus tard que j'ai analysés, compulsés, pour me fonder une opinion sur ce qui n'était pas forcément rendu public. Vous verrez que le rapport dont vous parlez, je ne suis pas sûr
que ce rapport ait été rendu public en Côte d'Ivoire. Monsieur le témoin, je vais vous inviter à regarder ce rapport. C'est le CIV OTP 0092-0092. Excuse-moi. Le président, un instant, de quel rapport parlez-vous avant que je ne donne la parole à la Défense? Pas le rapport dont il dit qu'il ne se souvient pas l'avoir vu ou qu'il ne l'a jamais vu. Monsieur Dermidjian. La dernière réponse du témoin concernait la publicité du rapport. Et comme je n'ai pas eu l'occasion de lui montrer le rapport avant aujourd'hui, j'aurais voulu lui montrer aujourd'hui. Le président, de quel rapport parlez-vous, Monsieur Dermidjian? Le rapport du Conseil de sécurité sur la situation des violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, janvier 2003, préparé par la Haute Commission des droits de l'homme. Le Haut Commissariat des droits de l'homme. Le président, est-ce qu'il connaît ce rapport? Est-ce qu'il a quoi que ce soit à voir avec ce rapport? Je ne comprends pas comment. Quel est le lien entre lui et le rapport, au juste? Monsieur Dermidjian, monsieur le président, comme je n'ai pas procédé à la préparation au récollement du témoin, je ne sais pas quelle sera la réponse. Je veux simplement lui demander s'il connaît ce rapport et s'il a participé de quelque façon que ce soit. N'oubliez pas qu'il est ministre chargé des droits de l'homme, donc il a peut-être reçu ce rapport à un moment ou à un autre. Je n'en sais rien, j'aimerais explorer cela avec lui. Le président, Maître Bougnon. Tout à l'heure, l'accusation a donné la commission qui a rédigé le rapport, a même donné le nom de la personne. Les témoins étaient formels pour dire que ce rapport, je ne l'ai jamais reçu, je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas ce qu'il y a encore de plus précis que cela. Il ne l'a jamais lu, il a été formel. Le président, c'est justement ce que je souhaitais explorer, s'il s'agit de ce rapport-là en question ou pas, dont le témoin a dit qu'il ne le connaissait pas, qu'il n'en connaissait pas l'auteur, parce que s'il s'agit effectivement de ce rapport-là, eh bien, il faudrait juste que nous allions de l'avant. Monsieur Dermidjian, à nouveau, il m'est très difficile de répondre à cela, comme le témoin, en sa qualité de ministre des droits de l'homme, a pu recevoir beaucoup de rapports. Je ne sais pas s'il a reçu celui-là en particulier, le président. Mais est-il en mesure de nous dire, oui, j'ai déjà vu ce rapport, est-ce qu'il est en mesure de valider le contenu de celui-ci? D'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce qu'il pourrait apporter une contribution à ce rapport en disant « oui, je l'ai vu ». Et qu'est-ce que cela ajoute à sa déposition au rapport, Monsieur Dermidjian? Sans trop en dire en présence du témoin, il a déjà apporté des réponses qui sont corroborés par le rapport, le président. Alors pourquoi ne pas lui poser des questions s'agissant de ces faits plutôt que du rapport? Dites-lui, dans le rapport, il y a des faits dont il est fait état. Contentez-vous de parler des faits et pas du rapport. Monsieur Dermidjian, j'en prends acte, monsieur le président. Monsieur le témoin, passons à l'après Accra 2. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, pour le restant de l'année 2003 et arrivant vers l'année 2004, comment se développe la mise en œuvre des accords de Marcoussi? Ben, après Accra 2, le premier ministre Seydou Elipane Diarra a mis en place une matrice d'action qui s'appuie essentiellement sur les grandes décisions et les annexes de l'accord de l'INAS Marcoussi. Cette matrice d'action comportait des actions, du moins des tâches à exécuter pour aboutir aux résultats escomptés par l'INAS Marcoussi. Je vous prends un exemple. On avait la matrice d'action relative
à l'identité, où il fallait organiser des audiences foraines, identifier les populations, leur donner des titres qui leur permettent de dire qu'ils sont ivoiriens, et ceci dans l'optique des élections qui étaient programmées pour 2015. C'est toute une série. Vous avez dit 2015? Oui. Non, 2000, excusez-moi, 2005. Je m'excuse. C'est le deuxième blocage essentiel qui va créer les conditions de Accra 3. D'abord, le gouvernement d'union qui avait été mis en place comportait des ministres des différents mouvements et partis politiques qui étaient partie prenante de l'accord de Linas Marcoussi. Et chacun voulait garder jalousement son cercle de compétences. C'est ainsi qu'un matin, un gros marché d'État concernant l'attribution du terminal à conteneurs du port d'Abidjan a été signé sans que le ministre en charge des infrastructures économiques, qui était un ministre du PDCI, ne soit associé. Cela a constitué un blocage. Et nous, au niveau du G7, nous avons demandé à ce qu'on arrête notre participation à ce gouvernement tant que le transfert effectif du pouvoir exécutif n'était pas effectué. Donc il y a eu deuxième blocage majeur. Le résultat, c'est qu'il fallait s'entendre, repartir à Accra 3. J'ai eu l'occasion de participer à Accra 3, où on a tenté de trouver une solution quant à ce concept de transfert des pouvoirs. Pendant ce temps, il y a eu des audiences foraines qui ont été lancées avec plus ou moins de succès. On a pu sortir quelques listes électorales sur lesquelles on avait estampillé certains groupes de listes vertes, liste grise, liste noire. Vous voyez que là aussi, il y avait au niveau de l'identification une forme de catégorisation des populations. Qu'à cela ne tienne. Par la suite, il y a eu, puisque nous avancions inexorablement vers la date de l'élection de 2005 et qu'il y avait des blocages et surtout du retard dans la mise en œuvre de l'accord de Linas Marcoussi, le PDCI, le RDR et les forces nouvelles, les trois groupements rebelles, se sont retrouvés avec le président Laurent Gbagbo à Pretoria pour tenter de faire avancer les choses. Je n'ai pas une chronologie exacte de l'évolution de cette partie, mais ce que je peux vous dire, c'est à Pretoria qu'on a résolu le problème de l'éligibilité, tout en vous rappelant qu'à Marcoussi, il avait été décidé que tous les participants de Marcoussi
était autorisé à être candidat à l'élection présidentielle si ces derniers le souhaitaient. Donc il y a eu Pretoria 1, Pretoria 2, où à Pretoria 2, si mes souvenirs sont exacts, il a été question des modalités pratiques d'élection et de certification des résultats si les élections se tenaient. Voici en ramassé ce qui a pu se passer entre Accra 2, Accra 3, Pretoria 1, Pretoria 2. Je ne peux pas en dire grand-chose, tout simplement parce que le mouvement que je représentais n'avait pas été convié. Monsieur le témoin, au début de l'année, les mouvements des forces d'avenir, le MFA, est-ce qu'ils avaient obtenu un poste ministériel au sein du gouvernement? Oui, nous avons hérité du portefeuille de ministère d'État, ministère des Transports. Et est-ce que vous aviez un rôle dans ce ministère? Oui. J'ai été dans un premier temps le directeur. J'ai été dans un premier temps le directeur de cabinet du ministre Anaki Kobena Innocent. Vous rappelez-vous de la période de temps où vous aviez été son directeur de cabinet? Près de un an et demi, à partir de la formation effective du gouvernement. Vous nous avez parlé tout à l'heure des audiences foraines. Juste rapidement, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit exactement pour ceux qui ne sont pas familiers avec... Bien, les audiences foraines sont une pratique rendue nécessaire pour pouvoir donner des titres d'identité aux populations qui n'ont pas pu se faire enregistrer à l'état civil au moment de leur naissance. Effectivement, l'administration et l'enregistrement des naissances avaient connu un certain déficit sur plusieurs années. Ce qui fait que vous pouvez avoir dans des villages, dans des sous-préfectures, des personnes qui sont nées, qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil. Donc, il fallait corriger cela en organisant ce que nous avons appelé les audiences foraines, où des personnes formées à cette tâche se rendaient dans les lieux les plus reculés pour identifier, enregistrer dans des registres ceux qui n'avaient pas de jugement supplétif ou d'extrait de naissance. C'est ça la procédure des audiences foraines. Et quelles difficultés ont rencontré ces audiences foraines? D'abord, quand le processus a été lancé, certains ont vu en cela la volonté de donner des papiers à ceux qui n'étaient pas autorisés à en avoir. Surtout ceux qui étaient les fervents défenseurs de l'ivoirité sous la forme de refus de l'identité à certaines catégories de personnes. Donc, il y a eu des blocages. Si mes souvenirs sont exacts, il y a eu même des moments où des barrages ont été érigés pour protester contre la tenue
de ces audiences foraines. Toujours est-il qu'après plusieurs tâtonnements, ces audiences foraines ont pu se réaliser, même pas sous la primature du Premier ministre Sédou Elimane Diarra, mais c'est plutôt sous la primature du Premier ministre Charles Konan Bani que la résolution 1633 du Conseil de sécurité avait proposé en remplacement du Premier ministre nommé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Les audiences foraines donc ont pu se passer et il était maintenant question de sortir la liste de ceux qui sont autorisés à être électeurs. C'est là qu'est venu le concept des listes vertes, listes grises et listes noires. Vous nous avez parlé de blocage et de barrage à un moment donné. Est-ce que vous pouvez nous dire qui avait érigé ces barrages pour protester contre la tenue de ces audiences foraines? Ce sont les jeunes patriotes. Et est-ce que vous vous souvenez à l'époque de ces barrages, qui est-ce qui dirigeait les jeunes patriotes? Écoutez, je vous l'ai dit, à ma compréhension, les patriotes, c'était plusieurs têtes. Mais ce qui est sûr, ils étaient tous d'accord pour dire que dans le cadre des audiences foraines, il fallait être vigilant, empêcher que certaines catégories de citoyens ivoiriens puissent figurer ou disposer de pièces d'identité. Et lorsque vous dites qu'ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait être vigilant et empêcher certaines catégories de citoyens de disposer de pièces d'identité, comment est-ce que cela s'est manifesté? D'abord, le lancement des audiences foraines n'a pas pu se faire dans le temps. Mais les patriotes avaient ceci de caractéristique, c'est que les barrages constituaient pour eux des éléments de protestation. Je me souviens encore de ces barrages qu'ils ont organisés, qui ont privé la ville d'Abidjan d'approvisionnement en vivres pendant près de 3-4 jours. Quand c'est comme ça, l'opération elle-même ne peut pas se dérouler dans un environnement serein. Donc, je l'affirme, je le confirme, les audiences foraines ont été, à un moment donné, bloquées dans leur mise en œuvre effective. J'aimerais vous amener... Excusez-moi. Président, j'aimerais juste avoir une référence temporelle. On parle de ces audiences foraines, mais j'aimerais bien pouvoir les replacer dans un cadre temporel. C'est arrivé quand? Les audiences foraines étaient supposées se tenir en 2015. Elles n'ont effectivement démarré qu'en 2005. Elles n'ont effectivement démarré
qu'en 2006, quand le Premier ministre Bani, du moins Charles Konan Bani, est arrivé en tant que Premier ministre. Très bien. Monsieur Nguessan, j'aimerais vous amener à la marche de mars 2004. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte de cette marche? Je vous ai dit tantôt que... Maître Bougnon. Excusez, Monsieur le Président, je pense que ce genre de questions, dans sa globalité, dans sa généralité, va finir par donner le même résultat. Ça veut dire qu'on finira par une opinion du témoin. Je pense que l'accusation pourrait être un peu plus précise pour ne pas qu'à chaque fois le témoin donne son opinion. Parce qu'on parle, le contexte est assez vague, de sorte à ce qu'on finira par aboutir à l'opinion du témoin. The problem is that... Président, oui, mais bon, on était en 2005-2006, mais on revient en arrière en 2004. Alors, c'est quand même difficile. S'il vous plaît, donc, mettez-nous la question dans son contexte pour que ce ne soit pas trop général, Monsieur Demedjian. Mais je voulais juste présenter le sujet et là, je vais demander au témoin ce qu'il en sait. Le président, allez-y. Monsieur Nguessan, que savez-vous de la marche de mars 2004? Je vous avais dit que il y avait un blocage lié à la cession, du moins au transfert effectif des pouvoirs de l'exécutif au Premier ministre. À la suite de ces différents blocages, il y a eu aussi l'attribution du terminal à conteneurs que le G7 avait considéré comme étant pas conforme aux accords qu'on avait pris à l'INAS Marcoussi et surtout à ce qu'on avait décidé à Accra 2. Donc, l'opposition que nous représentions, le G7, nous avons décidé de manifester pour pouvoir réclamer le transfert effectif du pouvoir exécutif comme cela avait été convenu. Cette marche était prévue pour le 23 mars 2004. Quelques jours auparavant, le président Laurent Gbagbo a réquisitionné toute l'armée en vue, selon les termes de la réquisition, de sécuriser le plateau. La zone du plateau était considérée comme une zone rouge, selon les termes même des responsables des FDS. Malgré cette réquisition, nous avons décidé de maintenir notre marche. Le jour de la marche, alors que la zone du plateau était déjà bouclée, vers 5h, 6h du matin, voire même un peu plus tôt, alors que qu'un militant de l'opposition, compris dans le G7, n'avait eu le temps de faire le déplacement pour aller vers le plateau, nous avons pu dénombrer au moins 120 morts à la fin de la journée. Et ça, c'est le rapport de la commission d'enquête de l'ONU qui le dit. Au niveau du G7, nous avons estimé qu'il y avait plus de 350 morts.
la marche n'a pas démarré. Et les hélicos de combat ont sillonné les quartiers que sont Abobo, Aniama, et ont froidement abattu les personnes supposées être membres du G7. C'est le peu que je sais de cette marche du G7. Nous, en tant qu'opposants, nous avons été obligés de rentrer immédiatement en clandestinité parce que, individuellement ou collectivement, nous étions recherchés. Le jour où les militants ont été assassinés, le secrétaire général du PDCI, qui était le président du directoire du G7, a lancé un mot d'ordre pour demander à nos militants de ne pas continuer la marche parce que la répression était sauvage et elle n'était pas proportionnée à notre désir de démocratie à travers une marche pacifique. Je le répète, cette marche était pacifique. À cette période, les forces nouvelles qui étaient membres du G7 n'étaient pas à Abidjan. Ces forces nouvelles armées étaient dans leur fief au niveau de Boaké. N'empêche que nos militants ont été froidement assassinés avec l'aide d'hélicoptères de combat que l'armée ivoirienne avait. Et je crois que c'est les MI, c'est pas si c'est MI-26 ou bien MI-24, mais toujours est-il que c'est des hélicoptères de combat qui ont tiré sur les manifestants du G7 aux mains nues. Monsieur le témoin, vous nous dites que nous retrouvons ces informations dans le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, n'est-ce pas ? Oui. Très bien. Vous étiez à Abidjan ce jour-là ? Oui, j'étais à Abidjan. Pardon. Oui, Monsieur le Président, juste pour, c'est pas une objection, c'est pour une clarification. Est-ce que l'accusation vient de dire que toutes les informations données par le témoin tout à l'heure en ce qui concerne les événements de mars 2004 sont relatifs en fait à un rapport fourni par l'ONU, c'est ça? Juste pour savoir. Oui, nous y arrivons. J'ai le rapport en question. C'est ce que je disais, oui. Yes. Nous avons un document ici, le CIV OTP 0052-0238. Réaction de la part du président Laurent Gbagbo. Ce qui nous a été donné de constater, c'est que cette marche pacifique a été interprétée par le clan Gbagbo comme étant un argument pour permettre aux forces nouvelles, du moins les trois mouvements rebelles, de prendre le pouvoir à Abidjan. Je n'ai pas exactement le jour ni le lieu où il a dit, mais je peux vous certifier que le président Laurent Gbagbo l'a considéré comme étant une tentative nouvelle de coup d'État.
Très bien, merci. excuse me. Just... Président, interrompant. Enfin, pour ce qui est de l'anglais, vous avez commencé à répondre à la question du monsieur le procureur en disant ce dont nous nous sommes rendus compte, etc., etc. Qui est ce nous? Qui est ce nous dont vous parlez? Le G7. Okay. OK, thank you. Merci beaucoup. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais vous dire que tout à l'heure, j'ai parlé du rapport fourni par l'ONU. Mais au niveau du G7, nous avons pris la peine de dénombrer par le système de voisinage le nombre de nos militants qui ont été assassinés ce jour. Le minimum qu'on a pu avoir comme information, c'est 350. Et les archives sont là, les images que nous avons pu prendre pour pouvoir attester de l'assassinat de nos militants sont disponibles. Ça, c'est un. Les funérailles publiques que nous avons organisées sont là aussi. Donc, c'est vous dire que je ne me suis pas seulement appuyé sur un rapport de l'ONU, mais pour avoir été moi-même membre du G7, je vous dis des faits qui sont réels et qui sont irréfutables. Thank you, Mr. Prosecutor. Président, merci, Monsieur Demetian. Monsieur Nguessan, c'est le CIVOTP 0052-0631, item numéro 45 sur notre liste. Et les notes sténographiques pour les interprètes sont le CIVOTP 0054-0251. Monsieur Nguessan, ce qu'on vient d'entendre, tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez la voix de l'interlocuteur? C'est bien évidemment la voix du président Laurent Gbagbo. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez constaté que cette marche pacifique avait été interprétée par le camp Gbagbo comme étant un argument pour permettre aux forces nouvelles de prendre le pouvoir à Abidjan. Alors comment pouvez-vous faire le lien avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure et cet enregistrement? Mais l'enregistrement confirme que le président Laurent Gbagbo n'a jamais considéré cette marche comme étant une marche pacifique. Mais ce que nous devons retenir, la marche elle-même n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu le temps de commencer. Et à la fin de la journée, on s'est retrouvé avec des morts. If I move into a new topic, it'll take more than 2-3 minutes. Monsieur Demetian, je vais passer à autre chose, mais j'en ai pour plus de 2 à 3 minutes, donc peut-être serait-il bon
de nous arrêter maintenant, le président. Mais vous avez parlé trop vite. Vous avez interrompu les interprètes de la cabine anglaise qui étaient en train de terminer ce que le témoin venait de dire. Ça, c'est ce que vous faites toujours, d'ailleurs. Monsieur de Major, oui, mais enfin, bon, de toute façon, tout ce que je vous ai demandé, c'est d'arrêter maintenant, parce que le sujet suivant va me prendre plus de 2 à 3 minutes. Il ne nous reste que 2 à 3 minutes d'audience. Le président, très bien. Dans ce cas-là, nous vaut la séance à demain, 9h30. Thank you.